Le commissariat d'arrondissement de l'UDT 15 des parcelles assainies a mis fin aux agissements délictuels d'un malfaiteur. Les hommes du commissaire M. Houma ont désormais pu arrêter un faux policier qui squattait les bars selon des sources de nos Sénégalais. M. Faye a outrepassé ses fonctions d'agent de protection rapproché. L'homme âgé de 34 ans se faisait passer pour un policier et faisait le tour des bars des parcelles assainies et de notre foire. Le faussaire a fini par tomber dans la nasse des limiers du commissariat de l'unité 15 des parcelles assainies. Tout est parti lorsque le commissaire Houma a été informé que l'individu armé d'un pistolet, de molotte apparente et d'un brassard de la police semait la quiétude dans le secteur. À cet effet, les policiers ont mis un dispositif de surveillance le 13 octobre dernier entre 19h et 20h. Le faux policier sur sa moto a été intercepté selon des sources de New Sénégal. M. Faye était détenteur d'un pistolet automatique de 9 mm, 6 munitions, une paire de molotes et un brassard de la police. Interrogé sur procès verbal, le faux policier a tenté de nier les faits sans convaincre les enquêteurs. Il sera confondu par des témoins. Des gérants de bar ont confié que M. Faye a effectué fréquemment des descentes dans leur lieu de travail en se présentant comme un agent de la brigade de recherche. Il ressort de l'enquête que le faussaire n'a pas d'autorisation de port d'armes selon des sources de New Sénégal proche du parquet. Au terme de l'enquête, le faux policier a été déféré ce lundi matin au tribunal pour détention d'une arme à feu sans autorisation et usurpation de la fonction de policier.